Alors, je m'appelle Christine Spengler, je suis française d'origine alsacienne, mais j'ai été élevée à Madrid. Et j'ai témoigné pendant toutes ces années du deuil du monde en noir et blanc dans, je crois, tous les conflits du monde. Et je suis aussi plasticienne. Alors, ma vocation de correspondante de guerre, photographe, est née en quelques secondes, tout à fait par hasard. J'avais 23 ans. Mon jeune frère Eric et moi venions de perdre notre père en Alsace. Pour fuir la douleur et le deuil, nous avions décidé de faire un grand voyage au bout du monde et d'aller rendre visite à un être extraordinaire, le sultan de Séguidim, dans une ville de sel abandonnée au Niger. Mais après, Eric, qui avait lu Le Monde, avait dit « Ah, et après nous traverserons le désert du Ténéré pour aller à la rencontre de ces combattants tout bout, ces extraordinaires, qui vont main dans la main au front et luttent avec leurs Kalachnikov pieds nus contre les hélicoptères français. » Nous avons fait tout ce qu'avait dit Eric, sauf ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que nous allions être faits prisonniers immédiatement parce que les légionnaires français dans le Tibesti doutaient évidemment de la naïveté de ce voyage et ont toujours cru que nous étions des espions, des journalistes. Mais grâce à cette première photo de ces deux combattants tout bout qui vont main dans la main au front, ma vocation est irréversible. Et j'ai dit à Eric, qui était photographe de mode, et il était l'assistant du grand photographe Harry Merson, je lui dis, prête-moi un de ces appareils photo, prête-moi un de ces Nikon, moi aussi je veux témoigner. Et c'est ainsi que j'ai eu l'impression de débuter enfin dans ma vraie vie, une vie forgée par moi, de créer mon destin. Et à partir de ce jour-là, sur le chemin du retour après les 23 jours de prison à Fort-Lamy, lorsque nous suivions nos propres traces gravées dans le désert avec la Land Rover, j'ai dit à Eric, tu sais, lorsque j'ai un appareil photo entre les mains, je n'ai ni froid, ni chaud, ni peur. Je ne le savais pas, mais je suis née pour ce métier. Et je lui ai dit, je veux apprendre mon métier sur le terrain, car je veux devenir correspondante de guerre pour témoigner des causes justes. Et lorsqu'on me demande aujourd'hui, Christine, et qu'entendez-vous par cause juste? Je réponds tout simplement ce que j'ai toujours fait, et encore aujourd'hui, récemment à Calais, être toujours du côté des opprimés. Ma décision de devenir correspondante de guerre et d'être toujours du côté des marginaux et des opprimés est renforcée à la suite de la perte tragique de mon jeune frère Eric à l'âge de 23 ans. Je me coupe les cheveux à la Jeanne d'Arc, j'endosse les habits noirs, je prends le Nikon qu'il m'a laissé comme un talisman. Et à ce moment-là, cette perte d'Eric, de l'être le plus aimé au monde, me rend solidaire de tous les deuils. C'est-à-dire que mon deuil personnel devient un deuil universel. Et c'est ainsi que je ne m'en rendais pas compte à l'époque, mais lorsque je photographie l'enfant de Phnom Penh, ou la petite fille de Managua, ou l'enfant soldat au Polisario, tout nu sous son uniforme trop grand pour lui, des cadets d'Algérie, qui est à l'ombre de ce petit drapeau de la République arabe sahraoui, je ne me rendais pas compte, mais c'était sans doute une façon de retrouver Eric. Et c'est vrai que cette perte d'Eric et ce deuil profond dans lequel je me suis immergée pendant 10 ans, puisque à partir dès la seconde où j'ai reçu le télégramme bleu de la mort d'Eric, eh bien, ma vie n'a été qu'en noir et blanc. Et j'ai toujours été fidèle
cet objectif 28 mm que m'avait prêté Eric avec son boîtier, en se disant, elle n'a jamais fait une photo de sa vie, je vais lui prêter un grand angle, comme ça je suis sûre qu'elle attrapera quelque chose. Mais en réalité, j'ai adoré tout de suite ce 28 mm auquel je suis encore fidèle aujourd'hui. Je l'ai adoré parce qu'il me permettrait, comme mon seul maître, qui a été non pas de grands photographes, comme Capa ou Don McLean, qui fut plus tard mon parrain dans la guerre en Irlande du Nord. Moi, tout cela, je les ignorais. Enfant, à Madrid, personne ne faisait de photos dans les rues. Il n'y avait pas de magazine photo. Donc j'avais un œil totalement vierge. Mais celui, évidemment, qui a été mon maître et qui m'a inspiré toute la vie, même encore aujourd'hui, c'est Goya. Ce grand angle me permet, justement, et c'est ce que j'aime, de montrer un premier plan, qui est souvent, la plupart des fois, très dramatique, mais aussi tout un arrière-plan, comme un théâtre. C'est pour ça que j'ai appelé le livre de Cherche Midi « L'opéra du monde ». Nous cherchions un titre qui pouvait aller avec à la fois les photos noires et blancs terribles, les photos de guerre, et les photos couleurs que je réalise à chaque retour de reportage depuis des années pour exorciser tout ce que j'ai vu. Et après tout, un opéra, c'est à la fois tragique et magnifique. Et la misère et la douleur, comme le deuil du monde dans les guerres, c'est un choix. Toujours je me photographierai en noir et blanc. Pour fuir le sensationnalisme. Dès mes débuts, j'ai toujours décidé que jamais je ne ferai de photos de guerre en couleur. Pourquoi rajouter des flots de sang rouge ? Dans ma photo apocalyptique du terrible bombardement de Phnom Penh par les Khmer Rouges, quelques jours avant leur arrivée, vous ne le savez pas, mais au premier plan, il y avait un premier plan terrible de corps calcinés qui brûlaient dans la fournaise. Et non seulement j'ai refusé de la photographier en couleur, mais j'ai même évité de photographier ces corps calcinés, car j'ai pensé qu'avec la force du noir et blanc, et Carmen Garrido du Prado l'a écrit, cette photo à la force d'un tableau de Goya ou peut-être de Jérôme Bosch. Ce qui me permet ou m'a permis de survivre à chaque retour de reportage, c'est justement ces natures mortes en couleur que je réalise depuis des années. Et comme un exorcisme, je rentrais de la guerre après toutes ces choses terribles que j'avais vues et encore empreinte du cri, des cris terribles et des odeurs que ne peuvent pas retranscrire les photos, parce que c'est complètement faux qu'une photo équivaut à 1000 mots. Dans la photo du bombardement de Phnom Penh, qui me poursuit encore parfois en rêve aujourd'hui, il manque le plus déchirant, il manque justement le cri des enfants qui cherchait à s'échapper de cette jungle de feu. Je me souviens du hennissement des chevaux qui se cabraient comme dans un tableau de Guernica. Et puis cette odeur de mort que je rapportais et les confrères dans nos vêtements. C'est pour ça qu'à chaque retour du front, le soir à Saigon et à Phnom Penh, je demandais au cyclo, mon cyclopouce, de s'arrêter au marché, aux fleurs, et je rapportais, pour embaumer ma chambre et contrecarrer cette odeur de mort qui me poursuivait, de grands bâtons de lys et de tubéreuses que je mets aujourd'hui dans mes expos. Dans le livre du Cherche Midi, aussi bien que dans l'expo, je crois que le passage du noir à la couleur est très bien expliqué avec toute cette partie sur un papier différent, tous ces ex-voto dédiés à ma famille, qui montre parfaitement que c'est exactement la même composition
que ce que l'on voit dans cette célèbre photo, le cimetière des martyrs de Qom, la ville religieuse à 90 km de Téhéran où l'imam Khomeini s'était retiré, et où les femmes, les veuves des martyrs, les défunts étaient enterrés sous les dalles, et au bout d'immenses stèles, elles avaient érigé leurs portraits toujours au milieu, qu'elles avaient entouré de pétales de roses. Donc toutes mes compositions d'aujourd'hui, même les plus modernes ou récentes, que je dédie à Christian Lacroix, à Pedro Almodóvar, à Rossi de Palma, à la Duchesse d'Albe qui adorait l'art, toutes ces compositions, je les fais toujours de la même façon. Et cela me vient de mon métier dans la guerre. Et puis il faut aussi que les visiteurs qui ne me connaissent pas sachent que toute petite, j'ai été élevée avec mon petit frère Eric par une mère, Huguette Spengler, dont lorsqu'elle est morte, on a écrit La dernière des surréalistes, qui peignait devant nous, qui nous parlait déjà, on était comme ça, d'André Breton, de Gala, de Dali, de Turner. Et puis, donc j'ai baigné dans le surréalisme toute petite. Et puis après le déchirement et la séparation d'avec mes parents, je suis envoyée à Madrid, où ma tante Marcel, qui m'éduque et devient ma seconde mère, m'emmène dès l'âge de 7 ans, deux fois par semaine, au musée du Prado. De là, toutes ces couleurs éclatantes et ce surréalisme qui étonne un peu les visiteurs ou les gens qui voient le livre. Ah, mais comment a-t-elle osé faire une vierge entourée de poivrons et un Christ avec un collier de piment ? Moi, je leur réponds, je ne cherche pas du tout à être originale. Je retranscris tout simplement ce que j'ai vu dans mon enfance, à savoir que lorsque j'arrivais à Madrid à l'âge de 7 ans et que j'allais au marché de San Antón, eh bien, les gens étaient tellement pieux là-bas. Ils continuent encore aujourd'hui de faire des calendriers, non pas avec des femmes nues, mais avec des vierges et des Christ. Donc, moi, la première fois que j'ai vu ces Christ ensanglantés, le Cristo de Medina Celi, après j'ai fait un photomontage avec des chœurs de Christian Lacroix, j'ai interprété. Et la Vierge, pourquoi j'ai fait une Vierge au poivron ? Eh bien, c'est parce que cette Vierge Dolorosa, c'est Macarena de Séville, il l'avait accrochée au milieu des poivrons. Dans mes photos couleurs, très baroques et surréalistes, il y a toujours une cohérence et surtout, malheureusement, tout ce rouge dont j'inonde souvent mes photos, bien évidemment, pour moi, c'est le rouge, le sang des guerres dont j'essaye de me libérer. Mais d'autre part, vous avez vu qu'il y a une grande bouche rouge au fond de la salle couleur, sur du verre et dans une coquille de crabe. Les journalistes, aujourd'hui, me disent « Mais Christine, ce n'est pas vrai que tout ce rouge que vous mettez souvent dans vos photos, c'est le sang des guerres. Nous, dans cette bouche rouge, nous voyons la passion, la vie et l'amour. » Et c'est vrai. Les gens qui ont compté dans ma carrière, d'abord le grand photographe anglais, encore vivant, heureusement, Don McLean, qui a été mon parrain à Derry sur les barricades, bien que je n'ai jamais essayé de le copier et que lorsqu'il empruntait un chemin pour rentrer après la bataille du Bogside au petit City Hotel, moi j'empruntais l'autre, d'où la photo des enfants de Derry qui me tirent la langue et qui aujourd'hui au milieu, justement comme Goya, au milieu des fumées noires et âcres après la bataille, eh bien, cette photo, je l'ai faite parce que j'ai choisi d'emprunter un chemin différent que lui, celui qui sera mon patron en Asie, le célèbre Horace Fass, que j'appelais Orson Welles. Horace Fass, qui est devenu, comme je l'ai appelé, my boss friend, m'a donc a fait de moi une femme dans la guerre à Saigon. La première fois où il m'a envoyé dans la guerre,
en me disant c'est là, nous sortons aujourd'hui de l'année du rat pour rentrer dans l'année du buffle. Si tu m'illustres ça, je te donne le job. Il m'a dit, souviens-toi, baby, comme il m'appelait, une bonne photo n'a pas besoin de légende. Et je suis tout à fait d'accord. Et cette photo qui a fait le tour du monde le lendemain même, elle n'a pas besoin de la légende, vous la verrez dans le livre. Eh bien, on voit au Vietnam un camion de la guerre qui s'est arrêté parce qu'un enfant soldat coiffé d'un casque sur lequel en plus il est écrit « Fuck the Viet Cong » a exprimé le désir de nager dans un marigot et à ce moment précis arrive, entre en scène, un pesant buffle qui est l'animal du Vietnam. Il y a évidemment Gokshin Sipayoglu, le fondateur de l'agence Sipapres, qui, à mon retour du Tchad, m'a immédiatement accru en moi. Et c'est comme ça que, quelques jours après, il m'envoie avec un billet d'avion et presque pas d'argent, mais ça n'a pas d'importance, j'ai survécu. Eh bien, il m'a envoyé au Bangladesh pour photographier le retour du grand leader qui s'appelait Mujibur Rahman, qui avait été emprisonné pendant 9 ans au Pakistan et qui rentrait dans son pays. Alors d'accord, j'ai un billet d'avion, j'ai une chambre d'hôtel, mais je n'ai toujours que le Nikon offert par Eric à le 28 mm. La veille de l'arrivée de Sheikh Mujib, comme on l'appelait, grand dîner à l'hôtel intercontinental, tout le monde m'invitait toujours à dîner et à un gin fizz, et il paraît que j'adorais ça, parce qu'ils étaient paternalistes, mes copains et mes confrères, ils disaient, oh la pauvre, qu'est-ce qu'elle va faire avec son 28 mm, bon, on va quand même l'inviter à dîner, on ne va pas la laisser tomber. Alors, la veille du jour, j'y arrive. Et à l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui. À l'époque, sur place, il y avait les rédacteurs en chef de Live, de Time, de Newsweek. C'était extraordinaire. Et quand on rentrait du front à Phnom Penh, ils nous attendaient au bord de la piscine de l'Hôtel Royal. Et ils nous disaient, « Ah bon, Catherine, qu'est-ce que tu as rapporté aujourd'hui ? Et toi, Christine ?» Je disais, « Ah ben moi, j'ai ça. Je t'achète le rouleau tout de suite sans même le voir. » C'était comme ça. Alors, ce qui ne pourrait plus arriver aujourd'hui. Et alors, ce soir-là, donc, les grands patrons demandent à chacun, « Et toi, comment vas-tu faire demain ?»« Ah, oh, moi, monsieur, aucun problème. J'ai déjà mis mon trépied sur l'atterrage de l'hôtel, de l'aéroport, pour pouvoir attraper Sheikh Mujib à la descente de l'avion, ah, très bien. » Et vous, comment ? Ah, moi, j'ai mis un doubleur de focal, je ne vais pas avoir de problème. Puis alors, moi, j'arrive en dernier, comme toujours, et alors, ils me disent, « Et toi, chérie, comment tu vas faire pour photographier Sheikh Mujib alors que tu n'as qu'à 28 mm ?» Alors, je dis, « Moi, monsieur, comme justement, je n'ai pas de téléobjectif, voilà, eh bien, j'ai réfléchi que ce n'était pas possible, alors j'ai agi différemment. » Comme je suis femme, je me suis introduite, je suis devenue l'amie de sa femme, de Sheikh Mujib, c'est qui je vais prendre le thé régulièrement. Je lui ai d'ailleurs offert mon parfum de Guerlain. Et elle m'a dit que demain matin, elle m'a invitée et je serai la seule photographe présente chez elle lorsque elle étreindra son mari et leurs petits-enfants. Alors le rédacteur de Life dit, « C'est vrai ce que vous racontez ?» Je dis, « Mais monsieur, évidemment. » Alors, il me dit, « Vous accepteriez de travailler pour Live demain ?» J'ai dit, « Oui, oui, mais faites-moi un contrat, s'il vous plaît, sur un bout de nappe. » Il a pris un crayon sur un bout de nappe, il m'a fait le contrat. Et le lendemain matin, à 7h du matin, devant le grand hôtel, j'avais une limousine avec écrit « Live Press » qui m'attendait. Et on m'a mis un petit badge, Life Press, sur ma petite veste aussi, et toujours le Nikon d'Eric. Le fait d'être femme, mais brune, ça c'est très important. Pas seulement femme, mais brune de surcroît, m'a toujours permis
de... La femme est plus caméléon par nature, mais je veux dire qu'une femme brune qui se maquille les yeux, qui apprend les langues et qui met son appareil photo là, comme moi le collier et un grand voile au-dessus, c'est beaucoup plus facile. D'autant plus que les hommes, même les plus terribles comme les talibans, n'ont jamais le droit de vous toucher. Donc ils ne peuvent pas me dire « est-ce que tu as un appareil photo ?» Et il semblerait que j'ai eu jusqu'à présent la baraka.